Et bonsoir, bonjour, bonjour à tous. Hello à tous. Salut Johan. Ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, très bien, très bien. Parle-nous un peu de ce qu'on parlait juste avant, de ce dont on parlait juste avant, de ta forte progression à la forme des couteaux. En parchemin d'Ao, ah oui, parce que je me suis mis un objectif, c'est de faire aussi bien que Sifu Marcin Minchke, qui a fait une vidéo sur les couteaux, qui est vraiment superbe, franchement. Elle est top. Bon, il a un petit toit de viking sur son truc, mais elle est vraiment top. Et je me suis mis comme objectif de faire aussi bien. Ok. Alors on verra, hein, Du on coup, nous verra disons à la fin. bonsoir aux 7 personnes qui nous regardent. J'ai sous les yeux Thomas, Francisco, Elouarn, Virginie, Christophe qui nous rejoint. Et les gens applaudissent dehors. J'avais oublié qu'à 20h, c'était les gens qui applaudissent. Du Attends, attends, coup, j'applaudis. ouais, s'il te plaît. Ça y est. Merci. Bienvenue. Donc ce soir, au programme, il y a Marie. Bonsoir Marie. Moi, je vais attendre un petit peu avant de vous donner le programme quand même. Oui. Le temps que ça commence, n'hésitez Bah, au pas à mettre tout de programme, suite vos likes. ouais, et à partager. Mais au Voilà. programme, ça va balancer. Salut Je, ce Emmanuel. soir, je vais, ce soir, je vais balancer des dossiers. J'ai trouvé un truc. Tout à l'heure, j'étais sous la douche et je me suis. Salut Pierre-Hilaire. Et je me suis dit, comment est-ce que je Salut vais Pierre. présenter ce qu'on va faire? Je me suis dit qu'en fait, c'était la vie. Ce dont on va parler ce soir, c'est la vie. Ah bah c'est beau ce que tu viens de Mais dire. ouais, mais je trouve que. Oui, Ça c'est ça. Donc, me donne envie de pleurer. Donc. pour les curieux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur la vie du Wing Chun, restez après l'entraînement de ce soir. Et Johan va nous présenter l'entraînement de ce soir. Qu'est-ce que tu as au programme? Oui, bah, ce soir, on va faire un entraînement, un petit entraînement technique. Bon, bah, évidemment, comme on n'a pas de partenaire, ça va être en solo. Voilà. Et bon, vous allez voir. Hein. Pas Ok. de. Bon, écoute, là, le nom monte plus. Je te propose de commencer l'échauffement tranquillement. Et puis, comme ça, ça laisse le temps aux gens de nous rejoindre pendant que tout le monde Bah, je s'échauffe. vais commencer par la forme. Ouais, ok, ça marche. Hein, donc, là, tout le monde me voit, là, comme ça, je suis bien. Ouais, t'es bien là, vas-y, c'est parti. Voilà. Donc, on va continuer par un petit échauffement des articulations. Hein, pour ceux qui restent devant Netflix toute la journée, ça va vous faire du bien. Donc, on commence par le cou, de haut en bas. Gauche-droite. On fait des ça. Donc
Dans l'autre sens, en gardant les yeux ouverts. Gauche-droite comme ceci. On échauffe les épaules, comme cela, de l'avant vers l'arrière. On essaie d'avoir un maximum d'amplitude. Dans l'autre sens. OK. On met ses bras comme ceci et on va vriller d'un côté et de l'autre. OK. À présent, on va faire des Gansao, Tansao. Donc en bas, en haut, en bas, en haut. Et on accélère progressivement. L'autre côté. Et on accélère progressivement. OK. On joint les deux mains et on échauffe les articulations des poignets. On vient se mettre comme ceci. Et vous voyez, je vais vriller la colonne vertébrale et ma tête ainsi que mes hanches restent droites. Je vais reculer un peu pour vous voyez tout le mouvement. Et à présent, j'ai déplié sur la jambe opposée. Je vais chercher le plus loin possible. D'un côté, l'autre. OK, à présent, je vais échauffer les hanches. Dans l'autre sens. OK, les genoux. Dans l'autre sens. Genou gauche en avant. Et là, on va faire des rotations au niveau du genou, également au niveau de la cheville. L'autre côté. OK, on détend les bras. Les jambes. Et voilà. Donc, Nous sommes voilà pour 10. l'échauffement. On est 10. Alors, il y a plus de monde le matin. Je vais faire le matin à C'est 6 heures clair. du matin. OK.
Donc, à présent, on va faire les quatre premières réactions 10 fois. D'accord? Mais pas la première 10 fois, la deuxième et tout, mais les quatre en même temps 10 fois. Bon, suivant. Enfin, bref, regardez. Je me mets en Mansao ou Msao, comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien. Je vais le Si, faire si, dans c'est bon. de plusieurs angles. Tan Sao coup de poing, Tan Sao coup de poing, Pak Sao coup de poing, Pak Sao coup de poing, Gan Sao coup de poing, Gan Sao coup de poing, Gam Sao coup de poing, Gam Sao coup de poing. Vous voyez, les fois précédentes, on avait fait que les Tan Sao, que les Pak Sao, que les Gan Sao, que les Gam Sao. Là, on les fait tous les quatre. D'accord? Alors, pour ceux qui sont plus anciens, vous pouvez le faire avec les pivots aussi. D'accord? Tac, 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 tac. OK? Pour les autres, vous allez faire comme moi, vous allez faire sans le pivot. On est parti? Donc, je vais compter. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8. On décontracte les bras, fait monter l'énergie, etc., etc. Bon, bref. On dit bonjour à Benoît qui nous rejoint sur le live et Ah, salut qui Benoît. souhaiterait que je pratique un peu plus. Mais moi aussi, j'aimerais bien qu'il pratique un peu plus. Mais j'espère qu'il reverra le live en replay et qu'il nous Mais fera quelques vidéos. c'est ce que je fais le matin à 6 h quand je me lève. Oui, eh ben, écoute, tu nous feras des vidéos, comme ça je pourrais te corriger. Ah ouais, d'accord. Tu te filmes et tout le monde sera content de te voir pratiquer un C'est petit ça. peu. OK, donc pour cet exercice-là, est-ce qu'il y a des difficultés? Bon, il n'y a personne qui m'a rien remonté, donc je pense que c'est plutôt OK. Si D'accord, donc jamais ça, c'est un vous exercice. avez des questions sur les parties qu'il a faites, n'hésitez pas à les poser, hein. D'accord. Alors, c'est un exercice que vous pouvez faire régulièrement, hein. D'ailleurs, dites-moi, qu'est-ce que ça va apporter de le faire régulièrement, cet exercice-là? On attend vos réponses dans le chat entre deux exercices, bien sûr. Ouais. Donc, vous me donnez la réponse pour le premier exercice et je vais faire le deuxième. Donc, le deuxième. Là, je pense, est-ce que vous voyez? Oui. Si je fais un pas comme ceci, on Yes. me voit ou pas? On me Non, voit il faut que tu encore? Vous recules un entendez peu les gens? plus. Il faut que tu OK. recules un peu plus. Ouais, voilà. Ah, Au par moins là. ici. Alors, là, dans un premier temps, vous voyez, je vais faire le pas en allant vers l'avant et en ramenant mon pied arrière et en restant sur le pied arrière. Je reviens me positionner, vous voyez. Mon pied gauche, là, en l'occurrence, enfin, le talon vient légèrement vers l'intérieur. Le pied droit va faire un demi-arc de cercle. J'avance et je ramène mon pied gauche. Et je suis sur mon pied gauche. Enfin, J'avais une question. le poids de mon corps est sur mon pied gauche. J'avais une petite Oui. question sur l'exercice d'avant. Il y a Francisco qui demande s'il faut pivoter une fois sur deux ou pas. Oui, dans le cas où on fait avec pivot, il va y avoir un pivot une fois sur deux, puisqu'on va redémarrer sur Tan Sao. Enfin, le Tan Sao va être du côté gauche et on redémarre ensuite avec le côté droit. Bon. Ça marche. Alors, attendez, attendez, Vas-y. attendez, je monte, je monte. Pour ceux qui ont fait avec pivot, je fais Tan Sao coup de poing, pivot. Tan Sao coup de poing, pivot. Comme je suis de ce côté-là, c'est un exercice, attention, ce n'est pas la réalité. Ben, je vais faire directement mon Pak Sao coup de poing, sans faire de pivot, puisque je suis déjà du bon côté. Là, je vais faire de l'autre côté ensuite le Pak Sao coup de poing de l'autre côté pour faire le pivot. Gan Sao, c'est pareil, je n'ai pas besoin de changer de côté. Et de ce côté-là, Gan Sao, je fais mon pivot. Je reste du même côté, Gan Sao, et je peux faire mon pivot de l'autre côté. D'accord? Mais attention, ça, il n'y a pas de règle. Vous pouvez aussi l'inverser, c'est-à-dire. Comment dire, par exemple, là je commence avec du droit, mais je peux faire du gauche. Bref, vous pouvez adapter l'exercice. Ça marche. Mais par contre, le pivot doit être du même côté. Je te laisse expliquer le prochain exercice, puis je donne les réponses des gens sur la question que tu as posée après. OK. Donc, regardez, là je fais comme ceci et je fais un pas en avant. OK?
Donc ça, c'est juste un pas en avant. Du côté, c'est la même chose et je fais un pas en avant. L'important, c'est de rester, d'être sur la jambe arrière quand vous faites votre pas en avant. C'est-à-dire que vous n'avez pas projeté le poids vers l'avant. Quand je fais mon pas en avant, vous voyez, je garde mon corps droit. Je ne fais pas ce qu'on fait naturellement, c'est-à-dire me pencher vers l'avant pour faire mon pas en avant. OK? Donc là, on va juste faire 10 pas en avant avec tout le poing. C'est assez simple. Donc je suis là, 1, 2, 3. Et à chaque fois, je vais donner 3 ou 4 coups de poing, peu importe. Et le but, ça va être de faire ça 10 fois. OK? On ne va pas le faire trop vite. L'important, c'est que lorsque vous donniez les coups de poing, ne soyez pas vers l'avant, comme ceci. Et... OK? Allez, je mets comme ceci, je commence. Oui. Non, bah vas-y, j'allais te donner les réponses pendant que tu D'accord. commençais pour te perturber Là, un peu. je reviens. Donc là, j'en suis à 2. Du coup, la question c'était à quoi servaient les répétitions que tu as fait juste avant. Donc j'ai Christophe qui me dit que le but c'est que ça devienne des réflexes, et Thomas qui dit que le but c'est d'améliorer les réactions. Ouais, le but c'est d'améliorer les réactions. Mais à quoi servent les réactions? C'était plus Ah, vous profond. pouvez. Je sais pas combien j'en suis là. Oh là, t'as fait Il me 6 reste là, t'as encore. fait 6, t'as fait 6. Donc ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez et essayer d'être le plus percutant, explosif possible. Une fois que vous avez le geste, le bon geste, essayez d'être le plus percutant, explosif possible. Et vraiment. OK? Y a Marie qui dit, est-ce que ça sert à faire à la simultanéité, le mot le plus dur à prononcer Voilà, du monde? il y a la simultanéité des mouvements, effectivement. Il y a une réaction, l'absorption et en même temps je frappe. Et Ok. c'est vraiment à ça que sert l'exercice. L'exercice a vraiment deux grosses fonctions. C'est travailler la simultanéité et aussi d'apprendre d'apprendre à faire le geste correctement. D'accord? C'est une école de base, hein. Même si dans un combat, on ne fera pas exactement ça, ça va nous formater et permettre au mouvement d'être correct. Bon, les autres, vous pouvez féliciter OK? Marie. Ouais, Marie, tu as gagné un point. OK. Donc. On n'a pas fait défini de but là-dedans, hein, vous emballez pas sur les points. Ben non. OK, donc là, c'était juste 10 pas en avant avec coup de poing. Ça, je l'ai fait 10 fois, mais vous pouvez le faire 50 fois chez vous, hein. Quand vous regardez de nouveau le replay, vous pouvez mettre en pause et le faire 50 fois. Il n'y a pas de limite de prescription. D'accord? Ensuite, on va travailler quelque chose qui est très important. C'est le déplacement à 45 degrés. Déplacement à 45 degrés, je vais envoyer donc mon poids. Donc là, on va travailler aussi un peu la pleine conscience corporelle. C'est-à-dire que vous allez ressentir votre corps et vous allez mettre votre poids légèrement sur votre jambe droite. Légèrement. D'accord? Votre poids légèrement sur la jambe droite, ce qui va vous permettre de lancer votre jambe gauche vers l'avant. D'accord? Et de ramener la jambe droite. OK? Je suis droit, je sens le poids de mon corps, je suis relaxé. Ah oui, c'est vrai, vous ne m'avez pas mis des commentaires sur la précédente pour dire que vous vouliez qu'on vous fasse un peu de sophrologie. Tant pis. Si, il y a deux OK. personnes qui nous ont demandé. Pas dans les commentaires sous la vidéo. Ok. Je n'en ai pas vu un seul. Ouais, si c'est... Donc là, j'avance mon pied gauche et je ramène mon pied droit. Vous voyez? Je suis là. Et après, je dois pouvoir le faire comme ceci. Si c'est de l'autre côté, là. Là, on imagine que le partenaire, vous pouvez soit imaginer un partenaire, soit comme l'avait fait avec Sifu Benoît, imaginer vous-même devant vous, soit imaginer aussi un mannequin de bois. Bon, moi, j'imagine un mannequin de bois, par exemple. Donc, je vais me mettre à 45 degrés par rapport à mon mannequin de bois, qui est ici. Si vous voulez D'accord? connaître les meilleurs moyens pour vous imaginer un adversaire, allez voir le dernier live avec Sifu Benoît, on en parle à la fin. Tac. Vous voyez, là, une fois que j'ai bien le pas, alors je suis comme ceci. C'est bon, il n'y a pas de questions à ce sujet? Non, non, vas-y. J'avance et j'arrive à 45 degrés. D'accord? Une fois que j'ai bien le pas, on va travailler la première technique. Donc je vais me mettre en garde cachée. Garde cachée, je ne vais pas répéter ce que c'est. C'est Amen Sao ou Sao, mais caché. D'accord? On imagine, on est dans la rue. On n'a pas forcément envie de montrer qu'on fait un art martial chinois. Vous imaginez, il y a un mec qui commence à être un petit peu agressif ou à gigoter dans tous les sens et puis à me parler de manière peu courtoise, n'est-ce pas? Et puis je me mets comme ça. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça ne marcherait pas.
Donc, je vais mettre comme ça, je vais l'écouter, je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous calmer? Bon, bref. Donc, je me mets dans cette position-là en garde cachée. Je vais lancer mon pied gauche et je vais venir avec un paksa au coup de poing. D'accord? Donc, le premier, c'est ça, paksa au coup de poing. Paksa au coup de poing. OK? Paksa au coup de poing. Paksa au coup de poing, lapsao et gamsao. Coude. Vous voyez bien là? Donc, paksao, coup de poing, lapsao, coude. D'accord? Là, ça, vous devez commencer à le connaître, donc on va pouvoir un petit peu accélérer. Tac, tac, tac. Paksao, coup de poing, lapsao, je frappe, je reviens avec un gamsao et coup de coude. Quand j'ai le coup de coude, je vais m'avancer légèrement. Vous voyez? J'essaie de garder mon coude, l'autre coude, où je vais faire ce mouvement-là, le long du corps. Je n'écarte pas trop, vous voyez? Et je donne un coup de coude. Là, je vais m'avancer légèrement avec mon genou quand je donne le coup de coude vers l'avant. Mais je ne dois pas être complètement non plus vers l'avant. C'est j'avance légèrement pour pouvoir être à distance de coude. OK? Donc, paksao, coup de poing, lapsao, faksao, et coup de coude. D'accord? On y va. Tac, tac, tac. Ok. Vous noterez que le coude éclate la tête de votre adversaire imaginaire. Ouais, c'est ça. Ouais, l'adversaire imaginaire. Alors, si c'est vous-même, bon, bah... Si bon, bref. c'est le mur, faites attention aussi. Donc, on va faire maintenant de l'autre côté. De l'autre côté, c'est avec le gauche. Je vais commencer par un lapsao. Je vais faire un lapsao coup de paume. Vous voyez, je suis ici. Et quand je vais faire mon déplacement, lapsao coup de paume. Ok? Lapsao coup de paume. Lapsao, coup de paume. Je viens faire un gamsao et de l'autre côté un fuksao, un clinch. Et je ramène, vous voyez, comme ceci. Je ramène et je pousse. Comme si je pliais mon adversaire. OK? Je ramène et je pousse et coup de coude. OK? On y va. Tac. Tac. Et là, vous devez bien sentir quand on fait après le lapsao, donc lapsao, coup de paume. Je reviens, vous voyez, là, j'imagine que je suis au niveau du coude de l'adversaire. Et derrière, j'attrape sa nuque. Derrière sa nuque, vous voyez? Quand je suis comme ceci, je garde mes coudes vers l'intérieur. Hein, je ne les écarte pas, vers l'intérieur. Et je vais pousser avec cette main, avec ma main droite, et tirer avec l'autre, comme ceci. D'accord? Et coude. OK? On recommence. Tac. Encore. Et après, progressivement. Vous pouvez accélérer. Surtout, n'hésitez Oui. pas à nous dire s'il y a des choses qui ne sont pas claires, hein. C'est le moment. Je sais que ça fait plusieurs fois que tu le répètes celui-là, donc je pense qu'il doit commencer à rentrer chez vous. Mais Oui, n'hésitez puis pas s'il y a encore c'est des vrai doutes, que. c'est bien. Puis même moi, je n'ai pas de partenaire, donc c'est aussi pas forcément évident d'être très clair quand on n'a pas de partenaire. Bien Donc sûr. maintenant, on va compliquer un petit peu les choses. On va aller une fois à gauche. Tac, tac, tac. Je reviens. Et ensuite, je viens à droite. Vous voyez? Je viens une fois à gauche, tac, et je reviens. Et après, à droite. Voyez, quand je vais à droite, c'est bien un laps. Je viens comme ceci, en lapsao direct. Boum! Vous voyez? En même temps que je viens à 45 degrés. Vous voyez? Tac. OK? Francisco demande si c'est Noxao 2. Ça ressemble à un oxaudo. C'est, on va dire, ce que c'est un passage de garde. Il y a un passage de garde du côté droit, avec le point droit en avant, c'est celui-ci. Point droit en avant, je fais un passage de garde côté droit. Donc, si on admet qu'un oxaudo, c'est un passage de garde, oui, c'est un oxaudo. Et oui, c'est pour le deuxième degré. Donc, noxao, enfin, lapsao, coup de paume, je l'attrape derrière la nuque et au niveau du coude de l'adversaire, je pousse. Vous voyez, quand je pousse, il y a un mouvement, je me sers de mon levier, en fait. Là, croyez-moi qu'il va se plier. Et coup de coude. OK, je recommence. Donc, je suis ici. Paksao, coup de poing. Lapsao, paksao. Coup de coude. Je reviens. Je fais de l'autre côté. Paksao, coup de poing. Coup de paume. J'attrape derrière la nuque.
au niveau du coude, je pousse. D'accord? Pour les Alors, gens qui nous ça. regardent et qui sont pas du club, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce que présente Joanne pour nous dire si les concepts vous arrivez à les comprendre de cette façon ou s'il y a des choses qui sont pas claires, c'est le moment. Vas-y. Alors, pour les plus avancés, il y en a un, par exemple, qui est souvent très apprécié. Là, c'est plutôt pour le cette troisième section, Chisao. Donc, c'est pour les techniciens, pour préparer le premier technicien. J'en ai un. Hein. C'est une application de la troisième section, Chisao Shumkyu. OK? Donc, je viens à 45 degrés, Paksao, coup de poing. Je vais attraper le bras. Quand je vais faire ça, j'imagine que quelqu'un me fait un paksao au moment où je donne le coup de poing. Vous voyez? Je suis ici, tac. Et là, au moment où je vais donner le coup de poing, je vais avoir une interception au paksao ici. D'accord? Donc là, je vais en profiter pour attraper le bras ici et je vais avancer avec un paksao comme ceci. Et là, je vais taper comme ceci. Et là, je vais me heurter à une deuxième interception parce qu'il y a un autre bras qui est ici. Je vais venir sous le coude pour frapper comme ceci. Je reviens comme ceci. Et je finis par un coup de poing. Ça, c'est pour les plus avancés, hein. Ouais, là, c'est toujours pour les plus avancés, mais ils savent très bien. Ça, c'est pour les techniciens ou ceux qui préparent le technicien. Le premier technicien. Donc, je recommence. Tac, tac. Les autres peuvent essayer de le faire aussi. Hein. Il n'y a pas de. Comme ceci. Je passe dessous. Je reviens. Et je frappe. OK. Y a quelqu'un qui me dit Recommence. qu'il n'a pas assez d'appui avec son Frappe genou et que sous. c'est pas assez Tac, direct pour lui. Effectivement, quand on a été on peut. opéré du ligament, c'est plus difficile. Ah oui. Dans ces cas-là, il faut faire un petit peu, faut adapter. Hein. Il n'y a rien qu'on ne peut pas faire, il faut toujours adapter. Si le genou est un peu fragile, ce n'est pas grave, on adapte la position. Hein, comprenez bien que l'art martial doit s'adapter à chacun. C'est-à-dire que il y a beaucoup de. Bah, d'ailleurs, on en parlait hein, tout à l'heure, beaucoup de. Certains ont le vrai, ont pas le vrai Wing Chun, etc., etc. Mais en fait, le Wing Chun, c'est des concepts. Et derrière, en fonction de la forme des corps, en fonction de ce qu'on a compris, de la façon dont on s'entraîne, on va avoir notre Wing Chun. Ok. T'avais encore autre chose derrière ça? Parce que ça va faire 30 minutes. Bon, on a un peu coupé par Non, des non, bah, choses, non, mais. bah, pas de. Non, non, bah, j'avais rien d'autre. Ok. C'était tout ce que j'avais. Je suis désolé Pas tout. de vous couper là, mais on essaye de rester Ouais, dans le tout. format d'une heure. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir un peu pour les deux types de personnes. De toute façon, vous avez les exercices là qui vont être dans le live. Donc l'idée, c'est que vous puissiez les répéter vous chez vous. Hein. C'est toujours ça le but, hein, c'est que vous puissiez le faire aussi avec les replays. Ouais, c'est ça, là je donne mes instructions et après, c'est pas parce qu'on le fait qu'une demi-heure que vous, quand vous regardez le replay, vous êtes obligé de le faire qu'une demi-heure. Et puis, ce que je vous donne, c'est des bases. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup d'exercices, beaucoup d'autres exercices que vous connaissez, à partir de ce que je vous ai montré, vous pouvez aussi faire vos exercices à partir de ça. Vous mettez en pause et puis vous rajoutez des applications. Par exemple, pour les techniciens ou les plus avancés, vous rajoutez des applications du premier, du deuxième technicien, de la première section, deuxième section, troisième section, quatrième section, même ce que vous voulez, hein, vous voyez. Ouais, bah oui, Peu bien sûr. Ouais. importe. Peu Il y a importe, peu importe. Francisco qui demande est-ce qu'on passe sous le coude, est-ce que quand on passe sous le coude, c'est un tan sao droite? Est-ce que quand on passe sous le coude, je ne sais pas dans lequel, dans le dernier que j'ai montré, c'est un Ouais, Toxao, dans je crois. celui pour les premiers Je crois que c'est un techniciens. Toxao. Un Toxao, il me Ok. semble. Ok, ça Il me marche. semble. Ok. Alors, des fois, alors, je prie m'excuser aussi. Pour certains, c'est très facile de se souvenir de tous les noms chinois. Et moi, j'ai honte. Pour un sifu, c'est pas bien, mais des fois, je ne me rappelle pas. Donc, je peux me tromper quand je fais un exercice, je peux dire un mouvement qui n'est pas le bon. En Voilà, je vais confinement, il faut que tu m'excuser. taffes ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, et on me dit aussi qu'il y a des gens qui ont des luxations de l'épaule. Qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice avec une luxation de l'épaule? Parce que là, ça commence à devenir Non, difficile. mais vous pouvez faire pratiquement tous les exercices après, vous pouvez faire avec une seule main. Si Yes. vous avez, si vous avez mal au bras, vous avez deux bras coupés, vous faites avec les jambes. Il y a un Sifu, ah mince, comment il s'appelle? Elouarn, peut-être que tu peux m'aider. Ou Benoît, il y a un Sifu qui a une seule main. Comment il C'est s'appelle? vrai, c'est Qui fou. est. Ouais, c'est un grand en plus, hein. C'est un mec qui a une sacrée expérience. Et justement, qui avait été mis de côté par je ne sais plus trop quelle lignée quand il a perdu sa main. Philippe Et du coup, il a été en voir Bayer, une autre. Philippe Ouais, Bayer. c'est ça, exactement. Et du coup, il a Merci essayé de Loire. voir.
Il a été voir qui? Donc Changwa, je ne me rappelle plus lequel. Enfin bref. Et voilà. Ok, et quand on va sortir du confinement, où on fait une vidéo sur ça, comment faire du Wing Chun avec une seule main. Mais oui, mais c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que on doit pouvoir adapter notre art à ce qu'on est. C'est beau. Si on a mal, si on a, comment dire, on a mal quelque part, ben on doit pouvoir continuer à s'entraîner, on entraîne autre chose. Ouais, c'est. Je Moi, connais. quand je m'étais fracassé le poing en tapant sur une tête dans un bar, en Garabalane, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 ans, où j'avais mon bras droit qui était cassé, enfin, c'était le cinquième métacarpien que j'avais cassé, parce que la tête est plus dur, le crâne est plus dur que les os des poings. Donc je le répète, mais bon, là, j'avais dû l'oublier dans le feu de l'action. Et j'avais un bras, bah, je me suis quand même entraîné, je voulais quand même donner cours. Hein. Ouais. Non, mais si, Et il y je a pouvais pas quand si même montrer longtemps, l'exercice. Hein. j'avais une main dans une attelle et j'ai réussi à faire des choses. Hein. Bah ouais, c'est ça. Faut compenser avec ce qu'on a d'autre. Ok. Exactement. Allez, sans transition aucune, ça tombe bien qu'on parlait du Sifu. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie. Alors, on a appelé ça Histoire de Sifu avec une vignette un petit peu racoleuse de Johan à la place de Bruce Lee, à côté de Lung Ting. Bonjour, Jus Saitama. Francisco demande quand est-ce que c'est le prochain cours. C'est vrai, pour ceux qui veulent partir, qui veulent pas écouter nos petites histoires, le prochain cours est jeudi soir à 18h. Ce sera potentiellement avec le Sifu David, on sait pas trop encore. Mais quoi qu'il arrive, s'il est pas là, on fera de toute façon du shadowboxing. Ou Siming Tao, Ou le Sulim. avec Non, des ça détails. sera peut-être plutôt la semaine prochaine, le Sulim Tao, non? Le temps de le préparer. Ok, chat. On verra, non, mais on verra. Ok, ça marche. Si ça sera peut-être là, alors on verra. Après ma journée de boulot agricole, j'aime être dans mon lit. C'est vrai, c'est plus difficile pour l'apprentissage, mais c'est plus reposant. Après, on peut faire, bah tiens, moi, ce que j'ai fait hier avant de me coucher, alors, Non, je veux pas partez savoir, pas, merci. si, non, mais rien de. Eh ben. Comme je suis en train de travailler les couteaux, j'ai refait toute la forme des parchames Dao dans ma tête avant de Yes. m'endormir. Donc C'est même quand sûr vous êtes que. crevé, avant de vous endormir, vous pouvez refaire, revoir, visualiser les mouvements ou visualiser certaines techniques. Il y a Francisco qui fait une blague très drôle, il dit merci si fou Johan Mo lit. Je trouve que c'est. Exactement, ouais, c'est vrai. Bon. Du coup, la suite de nos aventures de ce soir. Donc, oui, prochain entraînement, pardon, je reviens sur ça. Prochain entraînement jeudi et il y en aura un autre samedi. On sait juste pas si c'est le matin ou le soir. On a enfin déterminé un vrai planning de confinement. Il y aura donc un entraînement le lundi soir, un entraînement le jeudi soir et un entraînement le samedi matin ou soir en fonction peut-être des semaines. Je sais pas trop ce qu'on va faire parce que ça a plutôt bien marché cette semaine. Voilà. Ouais, c'est Wong Chong-Lok qui avait entraîné Sifu Philippe Bayard. Philippe Bayer. Ouais. Exact. Ok, ça marche. Merveilleux. Donc pour la suite, il y a deux personnes du club qui nous ont traduit un article d'un magazine qui s'appelle Wing Chun Alors on peut dire Illustrated. qui, hein? Wing Chun, ouais, j'y viens. Ce sont le signe Ilouarn qui est là et le signe Pierre Hiller qui est là aussi. C'est l'interview Donc merci les de. gars. Merci beaucoup. C'est l'interview de Emin. Bostepe, Bostepe, Bodzep, Bonne Bodzepe, qui, on va pas se le cacher sur le truc, balance un petit peu. Alors, je sais pas si c'est une volonté du magazine ou si c'est lui qui aime bien balancer. Je pense que c'est lui. Je pense Ok. que c'est lui. Ouais, bon, en même temps, vu les questions, il l'oriente un petit peu. Donc, on s'est Oui. dit que. Ils l'ont peut-être un peu cherché, mais ils n'ont pas dû le chercher longtemps. Ouais, c'est sûr, il a vite balancé. Cet article il est disponible sur notre page Facebook si vous voulez le revoir dans son intégralité. Nous, on s'est dit que c'était une bonne occasion de parler un petit peu de culture du Wing Chun et de voir un petit peu ce qui se passe et ce qui s'est passé en Europe avec le Wing Chun. Bon, c'est un peu. C'est une volonté du Sifu, dit Pierre, là, effectivement. On va pas se le cacher, hein, c'est un petit peu gossip là sur ça, mais ça permet aussi de voir un petit peu qui est qui dans le Wing Chun pour ceux qui débutent et qui connaissent pas trop la culture, etc. C'est une Oui, bonne puis occasion. d'introduire un peu sur l'histoire, tout simplement. Vous Ouais. faites un art martial, il y a une histoire, il y a la lignée, de comprendre aussi ce que c'est qu'une lignée et d'être légitime dans une lignée, je pense que c'est important. Et il y a aussi des batailles de pouvoir, des batailles de territoire pour la calorie, comme diraient certains, pour des histoires de business aussi. Voilà quoi.
Alors, j'étais en train de répondre par écrit, mais il y a une personne qui dit qu'elle pratique beaucoup de sport, et ça tombe bien parce qu'on est en train de vous préparer un sujet avec avec quelqu'un sur est-ce que c'est intéressant de pratiquer plusieurs sports ou est-ce qu'il vaut mieux en pratiquer qu'un seul? Dans le cadre de la défense, bien sûr. Du coup, on y va. Ce que je vous propose, c'est je vais vous lire moi des parties de l'interview et j'ai préparé des questions. Si jamais vous avez des questions, comme il y a un petit délai, n'hésitez pas à les poser et après on rebondit dessus, on en discute. Il y a sûrement des noms qui vont pas vous sembler clairs. Enfin, bon, bref, le but c'est de discuter, hein. Alors, on y va. Donc, la première partie de l'article, je ne vais pas vous la lire. Je vais directement commencer sur la seconde partie parce que c'est elle qui permet le mieux d'introduire, je trouve, le Wing Chun en Europe, de comment il s'est créé et quelles sont un peu les grosses têtes d'affiche du Wing Chun en Europe, ou quelles étaient en tout cas les grosses têtes d'affiche du Wing Chun en Europe. Du coup, la question de le journaliste, c'est avez-vous altéré ou changé le Wing Chun que vous avez appris de Leung Ting et Kern Specht depuis que vous avez quitté leurs organisations? Donc, ce à quoi le Sifu répond, la vérité à propos de la séparation est que je ne les ai pas quittés. Ils se sont débarrassés de moi. Kern Specht était effrayé par moi car je l'ai mis par terre et il ne pouvait m'avoir au Shisao. Il ne pouvait pas m'avoir au Shisao. Vous savez comment ce genre de choses reste à l'esprit de quelqu'un psychologiquement. Spécialement si vous êtes, enfin si c'est votre Sifu. Beaucoup de choses dont parlait Kunspench et Leung Ting étaient par métaphore. Par exemple, quand les bras bougent, le corps reste immobile, et vice-versa. Kunspech n'a jamais expliqué aucune technique en détail. Il montre juste des combinaisons. Tous les 2 ans, il crée un nouveau programme. Comme ça, tout le monde doit recommencer à zéro et les garder plus de 40 ans. Les élèves, entre guillemets. C'est lui dont il parle. Donc, pendant qu'on commence là-dessus. Je voudrais un peu que tu nous expliques la relation entre Leung Ting et Kernspecht et qui est Kernspecht pour ceux qui ne le connaissent pas. Désolé si ma prononciation. Kerspech, ouais, Kerspech. Moi, je disais Kerspech, mais c'est vrai que c'est pas évident à prononcer parce que c'est allemand ou anglais. Hein. Je crois qu'il est d'origine anglaise. Lord Kerspech, quelque chose comme ça. Enfin bon, bref. Oui, alors qui il était? C'était l'élève. Alors, il faut savoir que l'histoire de lignée, c'est ça. C'est que on parle souvent de Ip Man, qui est le dernier grand maître connu, mais lui aussi avait un maître et lui aussi et qui avait un maître, etc. C'est ça qu'on appelle une lignée. Après Ip Man a eu plusieurs élèves qui ont enseigné le Wing Chun, dont Leung Ting qui serait le dernier à avoir reçu l'enseignement de Ip Man, d'accord? Et qui était dans dans l'Athletic Wing Chun Association, un truc comme ça, je ne me rappelle plus précisément du nom, mais ça doit être ça. Et donc, Kerspech a rencontré, je crois que c'était en 1975, a fait venir Leung Ting en Europe et a fondé l'EWTO, qui est l'Organisation européenne de Winsun. Voilà, c'est ça. Donc, qui est qui? Ben, Leung Ting est l'élève de, comment dire, De de Hitman. Hipman, et Kerspech est l'élève de Leung Ting. Voilà. D'accord. Ok. C'est un peu Kernspech qui a créé le, enfin qui a apporté le Wing Chun en Europe, du moins en Alors, Allemagne. c'est Leung Ting qui est venu l'enseigner, et c'est effectivement Kerspech qui a créé la fédération, la grosse association qui a pu diffuser cet enseignement en Europe, notamment, enfin, en Allemagne surtout, mais en Europe également. D'accord. Est-ce que jusqu'ici, pour ceux qui nous suivent, c'est clair? Alors, pendant que les gens me répondent oui, j'espère, est-ce que tu peux nous dire qui est Emin Bodzepe, du coup? Alors, Emin, c'est un élève de Kerspech et de Leung Ting, mais on va dire, parce qu'il a pris aussi des cours avec Leung Ting, mais son Sifu, c'est Kerspech, et son Dai Sifu, donc au-dessus du Sifu, c'est, ou en dessous, hein, pas comme on avait vu avec le Sifu Benoît, Dai, c'est dessous, mais c'est en fonction de l'arbre généalogique, d'accord? Parce que les Chinois font l'arbre généalogique qui part du bas vers le haut. Bon, bref. Peut-être que tout le monde fait comme ça, d'ailleurs, j'en sais rien. Donc, Leung Ting est le Sifu de Kerspech, qui est le Sifu de Emin. Emin a maintenant ses écoles et aussi le Sifu et Dai Sifu, d'autres Sifu. Et d'autres Simu. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ok, ça marche. Bon, après, les raisons qui ont fait la séparation entre Emin et Kernspecht, je pense que vous les avez entendues dans mes questions. Oui, bah, ce qu'il dit en gros, c'est qu'il était devenu gênant pour l'association et qu'il a été viré. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein. C'est possible parce que c'est vrai que Emin Bodzep, c'est un peu
le Superman du Wing Chun de l'époque. Ouais, bien sûr. Hein, faut voir les vidéos, c'est il a un physique à la Bruce Lee, sauf qu'il doit faire 1,90 m, ou peut-être 1,85 m, mais bon, et il est hyper explosif, très, très technique, c'est peut-être pas le plus technique, mais il a un Wing Chun très explosif, rentre dedans, et surtout c'est un combattant. Oui, ok. Voilà. Est-ce que comment est-ce que du coup il a été jusqu'au bout du programme, Emin, tu sais ça? Parce que si c'est séparé de Lungting et Kernspetch, après il a fait comment? Ah ben non, mais il était déjà cinquième, au moins cinquième praticien, Ah c'est-à-dire oui, qu'il ok. avait tout le système jusqu'au bâton et au couteau, il Ah, avait déjà son il avait t-shirt tout, rouge. ok. Oui. Ok, ah oui, Il avait c'est. déjà tout le système, mais il aurait pu rester plus longtemps parce que l'association après continue à diffuser des enseignements, mais bon, le système en gros va jusqu'au cinquième ou sixième praticien. Ça dépend des associations, mais bon, en gros. Y a une personne dans le chat qui nous dit, on entend toujours parler des lignées de Ip Man, mais je me demande ce que valent les autres Wing Chun, genre Red Bot Opera. Je pense que la meilleure réponse à ça, c'est d'aller effectivement essayer les autres pour voir. Je pense que c'est un peu différent, chaque lignée a un peu ses spécificités, je pense. Le mieux, c'est de les essayer pour voir si ça correspond au Wing Chun qu'on a envie de pratiquer aussi, et à ce qu'on a envie d'en faire. Non mais sans essayer, c'est pas. Non, il suffit de regarder des vidéos. Hein. Padnam, par exemple, il y a Padnam qui est un autre, comment dire, d'une autre lignée. Et vous regardez les vidéos, vous allez avoir une idée de ce qu'il fait. Notamment, allez sur le blog de Orphée, qui est Ah oui, sa passion Wing c'est Chun. Passion Wing Chun, ouais, je vais vous mettre le lien. On le mettra en description et vous verrez des vidéos. Notamment d'autres Siling Tao, d'autres lignées. C'est intéressant. Alors attendez, je vous cherche le lien. Hop, Passion Wing Chun. Hop. Bon, on le mettra dans la description. Bon, comme ça les gens ils l'ont. Tac. Et voilà. Ok, alors la suite de l'article, la suite des choses que j'ai sélectionnées. Bon après c'est pour nous faire une base, hein. N'hésitez pas à nous poser des questions. Hein. Oui, posez des questions, hein. Ouais, surtout si vous avez des questions sur les personnages, hein, parce que c'est de ça dont on est là pour parler. Alors, Emine, dans une autre question, nous dit, il y a beaucoup de menteurs, des sifus et des grands maîtres autoproclamés comme Sergio Yadarola. Il était deuxième technicien. Idorola. Comment tu dis? Idorola. Id Id Idorola. Oh, bon, bref, ok. ouais, Il pour moi, était. c'est un Italien. Il était deuxième technicien dans l'EWTO quand il s'est fait virer. Alors, ça tombe bien, je vais pas lire la suite. Qu'est-ce que c'est que l'EWTO? Bah, le WTO, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'organisation qu'a montée Kerspech et qui est le E. C'est européenne, Wing Chun, organisation. C'est ça. Et c'est quoi leur truc à l'EWTO? Ils ont viré tout le monde? Ben non. Non, mais après, le WTO, c'était quand même c'est une grosse, grosse fédération, c'est une grosse association qui a diffusé le Wing Chun dans toute l'Europe. Il y avait un règlement à l'allemande qui était assez strict, et aussi parce que il fallait que ça tourne. C'est un peu comme l'article qu'on a fait aujourd'hui, il faut qu'il y ait des règles pour que ça tourne. D'accord? Il faut savoir qu'à l'époque, une formation. Ce que m'avait raconté Reto, en gros, une formation pour avoir tout le système, c'était 15 000 euros. 15 000 euros, et je ne suis pas sûr que, moi, d'après ce que j'avais entendu, il fallait payer pour chaque module, c'est-à-dire que tu repayais pour apprendre telle forme, tu voulais les couteaux, il fallait repayer, tu voulais telle section, il fallait de nouveau payer, etc. Donc, c'était vraiment un gros business. Ce n'est pas une critique, hein, c'est ainsi, ça a très bien fonctionné, ça a permis de diffuser un Wing Chun ou un Wing Sun de qualité. Mais il y avait des règles et certains les ont enfreints. Je ne connais pas l'histoire pour Sergio, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il avait dû enfreindre certaines règles, certainement. Ok, ça marche, je comprends. Ou peut-être qu'il voulait aller plus vite et puis qu'il a vu Oui. que ça allait être trop long et qu'il a dit, bon bah non, je m'en vais et puis voilà quoi. Oui, bien sûr. Ok. Alors après, on nous dit. Après, il est allé voir Alan Fong à New York et a acheté les formes du bâton long et des Barjam Dao. Alan Fong, c'est quelqu'un de très connu aux États-Unis? Oui, bah, Alan Fung, c'est aussi un élève de Ip Man. Et donc, comme dans cette lignée-là, il n'arrivait pas à obtenir ce qu'il voulait, il est passé par une autre lignée, il a été voir, enfin, comme il n'arrivait pas à l'avoir par le WTO, il est passé par un autre élève de Ip Man pour obtenir ce qui lui manquait.
Ok, ça marche. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, là il y a quand même beaucoup de noms qui sont lâchés là. Attention à Sifu Sergio, ce n'est pas rigolo non plus, il a beaucoup travaillé avec d'autres sources et fait de nombreuses recherches, il crée un système très intéressant. Enfin bon, effectivement, hein, Benoît, je ne... L'idée, c'est qu'il n'y avait pas de jugement de valeur sur Sifu Sergio, malgré... Non. Mais je pense même que Emin là-dedans, il dit pas qu'il est mauvais, hein, il dit juste que... Il dit Non, juste qu'il s'est fait virer, quoi. vas-y. Non, non, oui, mais il dit non, il dit pas juste qu'il se fait virer. Relis bien la phrase. Relis la phrase. Oui, ok, il dit qu'il était deuxième technicien et qu'il a acheté la truc de ses Non, mais il formules. dit pas que ça. Eh ben, continue, il dit pas que ça. Après, il est allé voir Alan Fong à... Ah oui, dans la suite. Ouais, vas-y. Alors, après, il y a un autre mec qui s'appelle Martin Dragos. Il a appris de Sergio et a payé 20 000 dollars comme ça pour mettre un t-shirt jaune. Le t-shirt jaune, c'est le t-shirt des grands maîtres, t-shirt des Daisy Fu, C'est si j'ai tout ça. compris. Sergio et Pas des Dragos, Daisy Fu, pas forcément pas Daisy Fu, mais forcément, des grands mais des maîtres. grands maîtres, ok. Non, tu peux être Daisy Fu sans avoir un t-shirt jaune, Ok. c'est grand maître. Et là, ce qu'il dit en gros, c'est que ce que reproche Emin à ces deux-là, c'est d'être des autoproclamés. Voilà. Ok. C'est ce qui est reproché dans l'article. Vas-y, continue. Ok. Sergio et Dragos ne sont tous les deux que deuxième technicien. Ils s'appellent grand maître, je les appelle grand-mère. En plus, Voilà, bon, ça il c'est envoie du. des petites punchlines à la rappeur. Ouais, ça doit être Grandmother. Il a dû rigoler Ouais, avant le c'est mot. ça. Voilà. Oui, alors pour lui, puisque ils sont partis de WTO deuxième technicien, et eh ben voilà, lui, il les reconnaît pas comme étant légitimes. Voilà, c'est ça, Est-ce c'est ce qu'il que dit dans tu le. penses que Emin, c'est sa personnalité d'être comme ça? Est-ce qu'il a une vraie colère par rapport à ces gens-là ou pas? Je pense pas, je pense. Alors, est-ce qu'il a une vraie colère? Je sais pas. Après, il y a une course à la légitimité. Certainement, lui se considère comme étant plus légitime. Ces deux-là ont monté un gros business et ils disent, bah, ces deux-là, pour lui, hein, sont nuls, ils ne sont pas légitimes, et moi qui suis à côté, il n'a peut-être pas autant de com, autant de. Peut-être que son business a moins bien fonctionné et qu'il y a un petit peu d'amertume. Ça, je ne sais pas. Ce qu'on peut dire, c'est que a priori, il ne les apprécie pas trop. Ouais, Mais je c'est un pense que euphémisme. surtout, je pense que s'il le dit, c'est surtout parce qu'il peut le dire. Personne va dire à Emin et va provoquer Emin. Ouais, bien sûr. C'est ça en fait. Il est dans une position où il peut le dire. Ouais, bien sûr. D'autres ne le diraient pas parce qu'ils diraient oui, je vais le dire, mais bon, après, là, aucun des deux n'a été voir Emin. Ils Ouais, se bien sont sûr. battus entre eux. Je sais qu'ils se sont battus entre eux. Je sais que, enfin, battus par message interposé. J'ai aussi eu des histoires d'un autre Sifu avec l'un de ceux qui a été cité où j'ai vu les échanges. Et où c'est monté assez haut dans les tours, et où le Sifu que je connais a dit à un de ces fameux Sifus, bah, écoute, si tu veux prendre une leçon de Wing Chun, viens me voir, ça durera quelques secondes, et il lui a donné l'adresse de son académie. Donc, oui, ça c'est la réalité. Bon, il se trouve que Emin, on n'a pas trop envie de. Tu vois, Ouais, c'est sûr. peut-être que maintenant. Voilà, c'est ça, c'est surtout qu'il peut le dire. Je fais une petite Après, aparté. je. Oui. Je fais une petite aparté parce que dans le chat, on me dit Didier Bédard, un truc comme ça, il est fort en Wing Chun. Alors, Alors. j'ai répondu. Alors, Alors, oui. attends, j'ai répondu que c'était probablement le plus connu pour les gens qui ne sont pas dans le Wing Chun en France. Est-ce que tu En confirmes ça? France, alors oui, c'est le plus connu en France, mais on va parler d'Emin. Tiens, ça va introduire l'histoire, parce qu'il faut savoir que Bédard a appris de William Cheng. Ok. D'accord? William Cheng, qui s'est fait casser la figure par Emin. Alors attends, cites-nous William Chung. William Cheng, c'est un élève, en fait. Ip Man avait plusieurs élèves, et à l'époque où Bruce Lee est venu le voir, il était avec celui qui a emmené Bruce Lee, c'était William Cheung. Il s'appelait pas William Cheung, enfin, je ne me rappelle plus de leur nom, bon bref. Bon, en tout cas, c'était William Cheung, d'accord, qui a emmené Bruce Lee, qui était en gros un élève comme vous, enfin, comme certains qui écoutent, qui commencent le Wing Chun et qui emmène un de ses camarades pour apprendre le Wing Chun. Voilà. Et lui, le camarade qui l'a emmené, William Chun, c'était Bruce Lee. C'est important de savoir que c'était un de ses camarades, parce que ça en dit long sur l'histoire qui va suivre. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que William Chun est resté quelques années, il était très jeune à l'époque, il est resté jusqu'à 18 ans. Il a dû rester, corrigez-moi, je crois, 3-4 ans maximum à apprendre auprès de Ip Man. Il est parti après en Australie, il me semble. D'accord? Ok. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que bon, il a fait son système et tout, il a diffusé et il a commencé à avoir une certaine notoriété. Suite à ça, ouais,
Donc, suite à ça, il y a eu des histoires entre. Disons que William Shum s'est réclamé comme étant le seul héritier de Ip Man et comme étant le détenteur du Wing Chun traditionnel et du Wing Chun moderne et du Wing Chun traditionnel et que Ip Man n'aurait enseigné qu'à lui. Et voilà, Alors, je fais une petite pause pour te dire que il y a Virginie qui nous dit que c'est en voyant une vidéo de Bédard justement qu'elle a découvert le Wing Chun et une autre personne qui nous dit exactement la question qu'il voulait poser concernant Bédard. Ça tombe bien qu'on parle de ça. Je continue, attendez. Alors donc, William Chun se proclame comme étant le seul détenteur du vrai Wing Chun traditionnel qu'il aurait appris de Ip Man. À cela, l'Athletic Association de Wing Chun de Ip Man, où tous les anciens élèves de Ip Man tenaient encore l'association, dont Lloyd Tin. C'est important de savoir que Lloyd Tin, qui était son dernier élève, fait partie des maîtres qui faisaient partie de cette association au même titre que les plus anciens. Ils ont été reconnus, il y a beaucoup de photos où ils sont ensemble. Et là, ils ont répondu à William Chen de concert. Donc, ils lui ont répondu que, en gros, non, jamais le Ip Man avait dit qu'il avait enseigné qu'à une seule personne et qu'il avait enseigné à tous ceux qui étaient capables de recevoir et qu'il enseignait en fonction de ce qu'ils recevaient, de ce qu'ils étaient capables d'apprendre. Et que également, lui, William Chun, n'est pas resté longtemps, et qu'il a été séparé du groupe pendant très longtemps, et que ce serait étonnant qu'il ait donné à un gamin de 18 ans tout ce qu'il n'aurait pas donné aux autres, notamment des personnes qui sont restées des années, des vingtaines, enfin, peut-être 20 ans avec lui. Et donc, ils ont dit que non, ce n'est qu'il n'y a pas de plus légitime. Enfin bon, ils ont eu un discours comme celui-ci. Bon, je me rappelle plus des tenants et des aboutissants. Bon, si vous voulez la retrouver, elle est sur le site sur le blog, dans la partie William Cheng. Et William Cheng a dit que c'était et a persisté en disant que c'était le seul à avoir le Wing Chun traditionnel et qu'il était prêt à le démontrer et qu'il serait heureux de faire de se battre. Enfin bon, il le dit pas comme ça, mais bon, il serait heureux de le démontrer à n'importe qui. Qu'il suffisait de venir le voir et qu'il se fera un plaisir de le démontrer. Donc c'est parti de là l'histoire. Et il a visé particulièrement Lloyd Tin en disant en gros que Lloyd Tin était trop jeune ou je ne sais quoi. Enfin bon, alors que Lloyd Tin fait bien partie du groupe des instructeurs. Et il a dit aussi que de toute façon, il n'aurait pas pu apprendre à Lloyd Tin, que Ip Man n'aurait pas pu apprendre à Lloyd Tin parce que Ip Man était trop drogué. Qui prenait des opiacés et qui était complètement à la ramasse. Enfin bon, bref, je vous la fais courte. Donc, c'est quand même pas très respectueux vis-à-vis de son ancien maître de dire qu'il était trop drogué et que Lloyd Tin n'a pas reçu le Wing Chun, alors que le Wing Chun, alors que Lloyd Tin était très bien avec les autres mecs. Et s'il n'avait pas été légitime, je pense que les autres qui faisaient partie de cette même association l'auraient dénoncé aussi. Donc voilà. Et donc, un jour où William Chun est venu en Allemagne, Emin a été le voir avec cet article en main et lui a dit, ben moi, je veux bien que tu me montres que tu es le meilleur. Il a été voir William Cheng. Il a été voir Wu Yangsheng en lui disant, ben écoute, voilà, moi, je veux bien que tu me démontres que tu es le meilleur, puisqu'il l'a invité à faire. Et là, Wu Yangsheng a fait, ben non, hein, pas pendant le cours, après, blablabla. Et donc, non, Emin a dit, si, montre-moi maintenant, je suis prêt maintenant, on le fait maintenant. Et puis, il y a un combat qui est visible sur YouTube. Bon, on ne voit pas trop, et puis ça se finit rapidement au sol. Et William Chun se fait ra rapidement maîtriser. Ce que je voulais savoir sur William Chung, ce mec ne m'a jamais inspiré confiance. Bon. Voilà. Bon, Bah, là, faut lire l'article, mais il est pris en flagrant délit de mensonge. C'est que non, il n'est pas le seul. Il a reçu, c'est vrai, un enseignement jusqu'à ses 18 ans. Ensuite, elle a été coupée de cet enseignement pendant longtemps, qui n'est pas le détenteur du Wing Chun traditionnel, pas plus que d'autres, et peut-être même moins que d'autres, puisqu'il est resté quand même moins longtemps avec son maître. Et il a dit aussi une autre chose qui est un mensonge, c'est qu'il a dit que Bruce Lee avait dit que c'était le meilleur combattant, mais Bruce Lee était mort. Alors c'est facile de dire, une fois que quelqu'un est mort, Mais oui, mais si, Bruce Lee, même il a Bruce envoyé Lee une le lettre dit. par la poste depuis sa tombe.
Alors, je trouve que c'est un peu malhonnête. Voilà, c'est mon sentiment. C'est vrai que j'ai relu tout ça il n'y a pas longtemps en préparant et je me suis dit quand même, c'est assez malhonnête. Alors, après, moi, je ne dis pas que William Shawn est un mauvais pratiquant. Alors, je Non, pense non, qu'il est bien très sûr, bien, oui. mais qu'il n'aurait jamais dû dire qu'il était le seul. Il n'aurait jamais dû dire que l'ultime n'était pas légitime. Et il n'aurait jamais dû inviter tout le monde à venir le voir pour et Bien qu'il sûr. était prêt à démontrer à tout le monde. Ce Voilà. qu'on veut dire par là, on fait absolument pas de jugement de valeur sur la qualité de l'enseignement donné par les Sifu. Et je pense que d'un autre côté, Emine non plus. Emine, dans son article, il critique un peu les dessous de l'organisation WTO. En gros, bon, il est un peu plus. Alors continue, continue l'article, Y a un petit continue peu l'article d'ego, parce quoi. que Mais quand même. voilà, quoi. Bon. Non, mais continue l'article parce qu'il dit d'autres trucs, hein. Et pour en revenir sur Didier Bédard aussi, il y a aussi une partie qu'il faut voir, c'est que Didier Bédard, s'il a cette renommée aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il a tourné dans des films en tant que cascadeur, des films assez connus, et que c'était, enfin, je pense, c'est pas un des pionniers en France, mais en tout cas, c'est un des premiers avoir eu cette visibilité-là, quoi. C'est Je ça. sais pas à quoi c'est dû parce Donc que là. j'étais sûrement pas né quand ça s'est passé, mais ça, il était mis en valeur, quoi. Mais c'est, enfin, Oui, non, mais c'est moi je clair. trouve que heureusement qu'il est là, Didier Bédard, parce que ça amène beaucoup de gens dans la discipline, parce que ses vidéos, elles sont très propres sur YouTube. Enfin, je trouve que ça a l'air cool, quoi, et ça rapporte des gens. Après, effectivement, et bon, il y a des lignées, c'est pas exactement la même chose que toi tu peux enseigner. Il y a des petites différences par-ci par-là, quoi. Mais voilà, le principal, c'est que ça ramène des gens. Oui, non, mais après, oui, non, mais voilà, moi, il n'y a aucune critique. C'est vrai que là, vis-à-vis de William Chung, bon, ça m'a un petit peu agacé parce que quand on lit la réponse de l'ensemble des maîtres qui font un peu corpus, et puis de William Chung qui, bon, dit des choses qui visiblement sont quand même des mensonges, quoi. Mais bon, après, voilà, c'est une parenthèse qui est fermée. Je vais me faire des amis. Non, mais enfin, il n'y a pas de jugement de valeur sur Vas-y, l'enseignement. continue le Oui, alors j'étais en continue. train de parler de Sergio et de Dragos, donc qui ont, pour rappel, quitté le WTO, enfin qui ont, enfin Sergio qui a quitté le WTO et Dragos qui a appris de Sergio. Emin dit, Sergio, Dragos et même mon ancien maître, Kern Spetch, sont les plus grands traîtres du Wing Chun qui n'aient jamais existé. Ils ont émotionnellement, physiquement et psychologiquement abusés de tous leurs membres. Ce sont des gens comme eux qui ternissent l'image du Wing Chun. Les arts martiaux, c'est de la dignité et de l'honnêteté. C'est la même chose avec tous ces gens assis devant leur clavier qui parlent de cette personne qui s'est battue avec cette autre personne. Les gens devraient sortir de derrière leur clavier et venir se battre. Voilà, bon bah je pense que la messe est dite, hein. Oui, voilà, Bon. non, mais là, on a vraiment le point de vue d'un combattant, quelqu'un qui a fait ses preuves et qui est reconnu, et voilà, qui est un petit peu au-dessus de la mêlée, et qui dit, bon, voilà, la vérité, elle se situe dans le combat. Et bon, il a pas tort. Bon, après, c'est vrai que c'est peut-être un peu réducteur. Après, il faut voir que Emin, c'est quand même un mec qui a provoqué pas mal de gens de plusieurs disciplines. Souvent, les gens ont refusé. Il a aussi un peu ce truc assez provocateur envers les gens, quoi, non? Oui, non, mais je sais que c'est une personnalité qui est provocatrice. Ça c'est certain. Le mec a envie de se battre un peu quand même. Oui, tout Je à fait. trouve aussi en lisant cet article, vous me donnerez votre avis quand vous lirez l'article, qu'il a une profonde croyance en l'efficacité du Wing Chun et qu'il a envie que le truc soit reconnu pas pour l'argent, pas pour les trucs qu'il dénonce dans son article, mais vraiment pour la qualité de la discipline. Et je pense que ça fait partie un peu de son raisonnement par rapport au Sifu en Allemagne. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, parce qu'en gros, bon, savoir qu'il aime pas ceci ou cela, bon, c'est pas très intéressant. Par contre, oui, ce que dit Emin, et ce qui est très important, c'est que pour lui, c'est le Wing Chun, que s'il est bien utilisé, il peut surpasser tout le reste. C'est ça qu'il dit. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça aussi qu'il démontre. Parce que lui, il fait du pur Wing Chun, et il a pu battre n'importe... Enfin, c'est pas battu avec tout le monde, mais bon, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que plutôt qu'aller voir à droite, à gauche, plein d'arts martiaux pour chercher à peaufiner telle chose, avec tel truc et tout, bah, faites un très bon Wing Chun, ce sera amplement suffisant. Acharnez-vous dans une discipline, ce sera amplement suffisant. Faites-le très bien. On arrive doucement à la fin, alors on fera sûrement une deuxième partie si ça vous intéresse tout ça, parce qu'on n'a quasiment rien abordé là.
Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Du coup, moi, j'aimerais bien qu'on termine un peu sur, enfin, sur un peu L'article. voilà, la personnalité d'Emine. Il dit, le journaliste lui demande, pouvez-vous nous décrire vos principaux exercices de musculation et d'endurance? Ça couple un peu avec ce qu'on vient de dire. Donc, Emine répond, quand j'ai appris de Kearns Page, il n'expliquait jamais la structure des mouvements. Il donnait juste quelques combinaisons à travailler et tout était secret. Il vantait les étudiants de Hong Kong comme étant les meilleurs et comment ils faisaient des coups de poing enchaînés pendant 5 minutes sans pause sur le wall bag, qui est un sac de frappe fixé à un mur. Sac. Je l'ai fait pendant 2 heures. Mes coups de poing étaient plus durs et plus rapides que ceux de Kearns Page. Tout ça parce que j'ai entraîné mes bases. Nous utilisons des pao comme le font les boxeurs thaï, mais les techniques sont du Wing Chun authentique. Tout est du Wing Chun. Les coups de Byu-Gi, les uppercuts et les crochets de Shum Kyu. Toutes ces techniques sont dans nos formes. C'est la même chose avec l'anti-grappling. Nous utilisons toutes les techniques du Shisao au sol pour qu'on ne se retrouve pas à lutter. Mon haut niveau de répétition a rendu mon Wing Chun plus fluide, plus dynamique et plus puissant que les autres. Les gens disent Emin Bodzepe est une brute. Quand je les frappe, ils volent. Ils ne disent jamais comment je les ai eus ou comment je suis arrivé à l'endroit où j'ai pu les frapper, car mes coups de poing sont si rapides qu'ils ne les voient pas venir. Je suis très souple et doux, mais ils ne le voient pas, car ils ne sentent que les coups. Je vois ton sourire, ça me fait rigoler. C'est la même chose avec un pistolet. Le mec qui se fait toucher par une balle n'entend jamais le bang, il est mort. C'est la même chose avec mon Wing Chun. J'ai réalisé que quand les gens disent ne faites pas de musculation, ne faites pas de cardio, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ils cultivent la paresse de leurs étudiants et vous pouvez le voir car ils ont du ventre. Quand ces gens n'ont pas de cardio, ils n'ont pas de coordination, ils sont inaptes. Le professeur a toujours une belle allure. Le professeur garde une distance avec ses étudiants en les gardant feignants pendant que lui, tout seul, fait secrètement un peu de cardio et de musculation. Bon, là, je pense que c'est un beau message qui veut dire c'est l'entraînement qui paye. C'est l'entraînement, voilà, c'est ça. Et ça qui est intéressant, c'est que oui, on a là quelqu'un qui s'est entraîné, qui s'est acharné. Et n'importe qui, bon, bah, il faut dire aussi que là, il y a quand même un physique. Hein. C'est vrai qu'il a un esprit combatif et tout, mais bon, il y a un physique. Mais bon, ils sont entraînés. Et ça, c'est tout le monde peut s'entraîner, tout le monde peut s'acharner dans l'entraînement. Et moi, je rejoins Emine sur cette chose-là. C'est vrai que moi aussi, j'ai connu ça, où mon Sifu, j'ai connu un. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais où tous les 2 ans, on changeait les bases, puis on était obligé de recommencer tout le temps. Et normalement, à l'époque de Lloyd Tin, en 3-4 ans, ou voire 5 ans, on avait tout le système. Donc, c'est quand même assez intéressant de savoir ça. Donc, pour moi, c'est pareil. Tout le système est accessible dans notre, comment dire. Dans notre groupe, tout le système est accessible. Après, ça dépend que de vous, de votre capacité à l'apprendre. Mais voilà, je ne suis pas non plus pour changer tous les 2 ans. Et pour, mais c'est vrai que c'est une technique qui a été utilisée par le WTO et par d'autres Sifus qui ont suivi, dont ceux qui ont été nommés. Ou alors de rajouter, ça peut être soit de changer les bases et puis de refaire un système tous les 2 ans. Soit de rajouter, d'aller chercher un autre art martial, et puis on va partir dans le tai chi, dans je ne sais quoi, etc. Alors que déjà dans le Wing Chun, il y a tout ça. Est-ce que tu avais d'autres choses dont tu voulais parler avant qu'on clôture? C'est votre dernière chance pour les questions. Non, pas spécialement. Tu voulais pas parler de quelque chose? Tu m'entends, Johan? Ah oui, bah oui, non, Oui, moi non, tu je. voulais rien dire de spécial Je de pensais que plus? tu, je pensais que tu, d'accord, je pensais que tu posais des questions. Non, on a fini les endroits de l'article que tu voulais lire? Bah. Oui, j'ai fait le tour, mais c'est surtout que j'en ai sauté quelques-uns pour que ça tienne dans l'heure, si tu veux, pour essayer Ah ouais, qu'on reste tu, ouais. sur 1 heure à peu Ah, près, parce que j'aurais bien relu un je petit, trouve que c'est j'aurais bien ok, fait un tu petit vois. dernier, moi. Non? Attends, je regarde, mais je crois que j'ai fait tout. Alors, il dit quelque chose, mais ça, c'est juste pour la truc. C'est un article qui date de 2012, et il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il dit, je pense que le MMA est bientôt fini. Alors, sachant la place qu'a le MMA aujourd'hui. C'est un peu rigolo de l'entendre dire ça. Il dit, dans les années 70, c'était le kickboxing, puis le judo, puis le karaté, puis la boxe thaï, et puis le jiu-jitsu brésilien. Toute cette connerie où les... Alors les Gracie, je sais pas ce que c'est, n'ont pas Gracie, voulu... c'est une famille de c'est une famille de jujitsu brésilien.
Ouais, ok. qui était très connu pour avoir gagné justement tous les Prime MMA et tout de l'époque. Ouais, Mais ok. oui, il n'a pas tout à fait tort. Vas-y, continue. Tu veux dire pourquoi? Donc toute cette connerie où les Gracie n'ont pas voulu combattre contre moi et ont essayé de me faire passer pour un lâche. Ils se sont tous fait botter les fesses, sauf Rickson Gracie, bon, vous chercherez qui c'est. C'est un mec bien, il ne fanfaronne pas, il fait juste son travail, ce que je respecte. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça, ils voulaient combattre contre les Gracie, mais ils n'ont pas voulu. Enfin, c'est ce qui a été dit. Bon, bref. Ouais, non. Alors, oui, le MMA a continué, mais pas tel qu'il était auparavant. Avant, c'était vraiment chacun venait avec son art martial, Oui. se tester. Et puis maintenant, tous les combattants de MMA, c'est devenu presque une discipline à part entière où ils ont tous des bonnes bases de pied-point, des bonnes bases de lutte, des bonnes bases de grappling. Et ça s'est transformé. C'est pas ce que c'était à l'époque. On Donc, me dit on peut dire qu'il n'avait pas complètement tort. les Gracie qui ont fait la promotion de l'UFC à l'époque. Oui, effectivement, je te Oui, rejoins c'est sur le ça. fait, je comprends effectivement, le MMA comme il existait avant n'existe plus. C'est ça. Ok. Mais il n'a pas tout à fait tort, mais il a pas raison non plus parce qu'il existe. C'est toujours le même marqué. Bon, je te propose qu'on déborde un peu. Tu voulais qu'on parle un peu de sa vision du Chisao, donc Ouais, je je vais trouve vous ça lire intéressant. sa question sur le Chisao, puis tu nous diras ce que t'en penses, et puis on conclura par ça. Attends, je lis un peu les commentaires en même temps. Ok, merci Pierre Hélère pour l'info. Le Chisao, Qu'est-ce qu'il a dit? alors, Ouais. il me disait que les Gracie, c'est une famille qui ont popularisé le JJB. Et c'est eux Tout à qui ont fait. créé l'UFC. Alors, est-ce qu'ils l'ont créé? Est-ce qu'ils en ont fait la promotion? Je vous laisse débattre de ça dans les commentaires. Là, le journaliste demande, pouvez-vous expliquer ce qu'est le Chisao et sur quoi doit-on mettre l'accent pendant la pratique? Est-ce que tu veux donner ta définition du Chisao avant que je lise ce qu'il va dire ou pas? Non, je préfère que tu lises et puis je Ok. donnerai mon avis après. Le Chisao, Emin dit, le Chisao est le lien entre les formes et le combat libre. Tous les pratiquants de Wing Chun disent ça. Mais le Chisao est vraiment une méthode d'entraînement qui entraîne la mémoire musculaire. Malheureusement, la plupart des gens se cachent derrière cette phrase. Le Wing Chun a été créé par une femme et nous empruntons la force de l'ennemi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Emprunter la force de ton ennemi n'a rien à voir avec le sexe de la personne. Un homme peut le faire aussi. Ce qu'on entend ensuite, c'est nous n'avons pas besoin de force ni d'énergie, ni de cardio ou d'étirement, car les femmes n'ont pas tout ça. Je ne sais pas pour vous, mais toutes les femmes que je connais ont des muscles. Cela dépend de comment vous les utilisez. Le Chisao développe un haut niveau de sensibilité. Il y a différentes façons de s'entraîner au Chisao. La plupart des gens mélangent les choses et n'ont pas de structure. Dans l'EMMAS, qui est l'académie de Emin, on s'entraîne par section, avec des coups de pied et de poing dans lesquels le niveau de difficulté est de plus en plus haut. Mais avec beaucoup de répétitions, un haut niveau d'intensité, comme frapper dans les cibles, pas haut. Si tu n'as pas un coup de poing assez puissant pour mettre KO quelqu'un, tous les Bong Sao et les Tan Sao et autres conneries ne fonctionnent pas. La self-défense commence par être capable de mettre KO ton adversaire. C'est comme ça que le combat s'arrête. Nous avons des Chisao agressifs, des Chisao doux, des Chisao puissants, car ce dont vous nourrissez votre mémoire musculaire est ce que vous allez restituer dans la réalité. C'est presque poétique. Ouais, non, mais ça c'est vrai. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. C'est pour ça que je prône un haut niveau de répétition également. Et après, à chacun de s'entraîner à la hauteur de ce qu'il veut réaliser. D'accord? On a 1 heure et demie de cours, ou 1 heure de cours. Enfin bon, bref, on a 3 séances. Mais après, c'est à chacun de faire ses répétitions, de faire ses pompes, de faire sa musculation, de faire ses étirements. Nous, on donne la technique, l'ossature, mais après. Il y a un entraînement à faire derrière. Et c'est vrai, là, il a tout à fait raison. Si on n'a pas suffisamment entraîné ses muscles, etc., pour mettre KO quelqu'un, même si on est très technique, ça ne va pas être très utile, c'est sûr. Je vais conclure je vais pas conclure tout de suite, mais je vais lire la fin de l'article parce qu'en fait, je viens de la relire là et elle me semble intéressante sur la vie des clubs d'arts martiaux finalement et un peu comment ça doit fonctionner. Je vous laisserai vous faire votre propre avis. La dernière question de l'article, c'est quels sont vos objectifs à long terme, personnellement et pour l'EMMAS, qui est donc l'académie de Emin. Emine répond. Quand je suis devenu instructeur à 18 ans, je me suis promis de ne jamais mentir à mes élèves et de faire de mon mieux. J'ai produit certains des meilleurs combattants de Wing Chun, j'ai créé la plus grande organisation pour ces personnes et j'ai prouvé que j'étais la force de cette organisation. Quand j'ai fondé l'EMMAS, j'ai promis de créer un véritable établissement d'enseignement. Mon objectif est de donner à tous ceux qui veulent apprendre sous ma bannière la meilleure éducation. Cependant, il existe des règles. Je suis une école, pas un club social, ou quelque chose du genre. Je suis une entreprise enregistrée. L'EMMAS coûte de l'argent pour fonctionner, mais c'est très équitable car je facture chaque pays en fonction de son économie. Je suis probablement le seul à faire ça.
Mon premier technicien paie 580 euros pour un an. Ce n'est rien. Avec Unspatch, vous devez payer 5000 euros. Sergio et tous les autres idiots facturent des milliers et des milliers d'euros. Je suis contre ça. La plupart des gens oublient que si j'ai un accident et que je me retrouve en fauteuil roulant, qui paiera mes frais médicaux? Tout le monde va se défiler et partir. Par conséquent, je n'écoute pas les plaintes des gens parce que je suis l'homme du Wing Chun le plus célèbre et le plus puissant du monde. Rien que ça. Je me fiche de ce que les gens disent. Ils peuvent venir me prouver le contraire. Je suis une bonne personne. Je suis très, très généreux. J'enseigne de très bonnes informations contre de l'argent et je suis le moins cher. Je dois aussi penser à mon avenir. Je dis à mes élèves, vous ne venez pas ici pour me dire comment gérer mon organisation. Vous venez ici pour recevoir l'éducation pour laquelle vous payez. C'est ce que j'ai promis et c'est pourquoi je cherche à pousser les gens, leur donner une chance de maîtriser un art et les aider à réaliser leurs espoirs et leurs rêves. Voilà. Je trouve que c'est intéressant de dire ça aussi. C'est vrai qu'il est difficilement critiquable sur cette dernière partie. C'est quelqu'un de cash. Ouais, carrément. Voilà. C'est quelqu'un de cash. Voilà. Bon, j'espère que... Voilà, c'est la pire conclusion que je pouvais trouver. Hein. On se l'accorde. Non, mais voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que voilà, cet article-là était l'occasion d'introduire, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Wing Chun et aussi le principe d'une lignée. Oui. C'est ça, en fait, qu'il faut retenir. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, je vais mettre l'article que je viens de lire. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Si ce genre de live vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire, que sur la culture, sur les histoires, hein, le Wing Chun existe depuis assez longtemps pour qu'il y ait quelques histoires à raconter, je suppose. Hein. Il faut juste qu'on travaille un petit peu sur d'autres peut-être parties qui sont peut-être aussi moins connues, hein, mais on peut aussi aborder des personnages, etc. Il n'y a pas de problématique. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ne partez pas sans avoir liké la vidéo, s'il vous plaît, nous, ça nous encourage à continuer. Vous n'êtes pas des milliers des cents à suivre le live, donc quelques likes, c'est cool. Et puis, ouais, c'est ce qu'on demande, nous. Parce que si je me casse la figure et que je suis en fauteuil roulant, il ne pourra plus avoir des likes ni rien. Il faut que je te dise que ça ne nous rapporte pas d'argent, YouTube. Dommage. Bon, bref, je suis payé en like, moi. Je suis payé en like. Du coup, abonnez-vous. Ça fera d'une pierre deux coups. Je suis payé en like et en abonnement. Voilà. Donc on se retrouve pour l'entraînement. Voilà, encore une fois. On se retrouve pour le prochain entraînement jeudi soir à 18h. Il n'y aura pas de sujet cette fois-ci le jeudi soir. Merci Sébastien pour le like. On se retrouve jeudi soir à 18h pour l'entraînement. Il n'y aura pas de blabla, mais on va faire un petit peu un entraînement un peu plus intensif. Voilà. Et n'hésitez pas à venir sur notre page Facebook où je fais des petits sondages pour savoir un petit peu quel sujet pourrait vous intéresser pour le lundi soir. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte là ? Non, c'est bon, j'ai pas tout dit, mais... Si vous voulez en savoir plus, interrogez-moi, enfin, demandez une autre vidéo. C'est ça, moi, c'est bien aussi de t'en garder un peu. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai gardé quelques dossiers sous le coude. À la fois, si je t'arrête là, c'est pour pas que la vidéo soit trop longue aussi. C'est plus facile à regarder derrière des créneaux d'une heure que d'une heure et demie. C'est plus lourd une heure et demie, je trouve, qu'une heure. Non, mais j'avais promis du croustillant, j'en garde un petit peu. Voilà, c'est ça. C'est ça. On est encore en confinement pendant au moins... Allez... Une semaine entre guillemets, peut-être un peu plus à mon avis. Encore 3 semaines. Ouais, bon, on verra bien. Mais en tout cas, on aura le temps de parler de tout ça. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne soirée tout le monde. Et puis on se retrouve jeudi pour le prochain live. Et lundi, pour ceux qui aiment le blabla, c'est le lundi. Allez, salut tout le monde. Bonne soirée à tous. On va pas me prendre.